Hugues Daillé, eh bien bonsoir, bienvenue dans le Grand Cactus. Le Grand Cactus, donc émission indigente qui n'a jamais fait rire que ceux qui la font, nous revient ce soir. Non mais... Une fois de trop, diront certains, avec une séquence à nouveau pathétique, interprétée par des acteurs, et je le dis entre guillemets, grimés comme dans une kermesse de village. Ah non, non, tant bien que mal, des textes à l'humour douteux dont Kev Adams lui-même aurait honte. Bon, alors c'est très aimable. Que dire des chroniqueurs? D'abord, le QI d'un cheval à bascule est autant de répartie qu'un lama malade. Hugues, on ne demande pas de critique. Des comédiens de seconde zone, aux jeux poussifs, véritables parodies d'eux-mêmes qui se perdent dans des sketchs plus embarrassants les uns que les autres. J'en citerai quelques-uns, leur nom ne vous dira probablement pas grand-chose. Isabelle Aubaine et Martin Charlie, acteurs au physique ingrat, pratiquant un comique troupier liégeois. Fabien Le Castel, un imitateur d'imitateurs. Bon, et que dire de Damien Gillard, acteur transparent et insipide venu du théâtre, qui signifie son véritable suicide professionnel en incarnant, entre autres, un Italo Carolo d'une vulgarité affligeante. Oui, ça va, Hugues, on n'est pas là pour la ça. La grande idée de ce show semi-amateur, malaisant, étant de faire jouer des personnages blancs par un acteur noir. Pour ne pas le citer, Cody, comédien prometteur dans les années 2000, mais ça, c'était avant. Étant, il semble se noyer dans cette soupe indigeste. Bon, Hugues, on va arrêter. L'idée d'une troupe n'était pas forcément inintéressante. Je pense à la grande époque du rire français, le Branquignol et les Frères Ennemis, mais ici, ça ne fonctionne pas. Notamment à cause d'une écriture composée en grande partie de jeux de mots affligeants. Pas étonnant quand on sait que le rédacteur en chef n'est autre qu'un moniteur d'auto-école. Donc le seul fait d'armes scénique fut d'interpréter, tenez-vous bien, un prêtre mariant deux homosexuels. Ha ha ha. La fin du monde est décidément bien proche. Bon, il s'arrêtera pas. Mais alors, pour en finir, et très brièvement, ce divertissement pour Pecno est programmé sur typique. Chaîne hybride cherchant aussi bien son identité que son public, qui rassemble parfois le meilleur mais surtout le pire de ce que propose la très peu inspirée RTBF. Le Grand Cactus est une émission ratée pour des ratés, ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez, vous êtes là. Bon, alors Vous êtes quand même là pour nous parler de la semaine du cinéma belge. Oui, alors j'allais venir sur l'avant-première des derniers films de Joachim Lafosse, intitulé « La promesse des jours brumeux ». Oui. C'est l'histoire d'un inceste qui tourne mal lorsque le papa apprend que la petite n'est pas vraiment sa fille. L'homme ne s'en remettra pas et va tuer un à tous les membres de sa famille à l'aide d'un presse-purée. Ça, c'est bouleversant. Oui, non, c'est filmé, alors non pas caméra à l'épaule, mais bien caméra à la hanche, voyez, à hauteur d'enfants en noir et blanc autour d'une dune à Middelkerk. Et on a d'ailleurs dans le rôle de la dune l'excellentissime acteur flamand Jan-Peter van den Beginn, qui est magistral. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas parce que le presse-purée est joué par Jérémy Régnier, qui se perd de plus en plus dans des productions trop hétéroclites. Je cite par exemple Clo-Clo, le biopic d'un chanteur apparemment populaire. Bah, évidemment, c'est Claude François. Jamais entendu parler. Mais... La promesse des jours brumeux, donc, qui étonne en salle, car après une semaine d'exploitation, on dénombre déjà 8 entrées. Donc, bonne surprise au box-office belge. Donc, 8 entrées, c'est le double du chiffre des deux autres films sortis cette semaine, dont le très attendu Moi, Sébastien, prêtre transgenre, qui, malheureusement, ne fonctionne pas. Bon, d'accord, mais... Hugues, est-ce qu'il y a un seul film belge qui trouve grâce à vos yeux? Si, bien entendu, il y en a un, mon cher Jérôme. Merci de m'en permettre d'en parler. Ah ben, je vous en prie. Mais mon cher Jérôme, il s'agit d'un chef-d'œuvre un peu au bijou, ça je le regrette, et qui personnifie pourtant la quintessence du cinéma, un film belge donc, qui redéfinit à lui seul toute la grammaire d'une catharsis et sublime ses codes déterministes. D'accord. Je n'ai rien compris. Non, excuse-moi, quel est ce film? C'est La pub Mora.
La pub Mora avec Sandra. Tout à fait. Actrice empirique qu'on ne voit plus assez. Je le regarde ce film court, très ambitieux dans sa linéarité, transcende une ironie dramatique absolument prodigieuse. Je vous propose d'ailleurs de le revisionner pour ceux qui sont passés à côté de ce Graal belge du 7e art. Mais je vous en prie. C'est pas... Tu penses ? Attends. Ouais, c'est bien elle. Maintenant, vous reconnaîtrez l'authentique fricadelle au de Mora. Bah, je dis haut et fort, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, c'est... Ouais, vraiment, ça c'est... À la gare. C'est bouleversant. Et là, c'est fausse goguenardise vraiment incroyable qui se dégage de ce film ne vous aura pas échappé. Un petit peu quand même. Je crois que le film donne l'impression au premier abord d'être une simple histoire de rendez-vous manqué, mais je crois qu'en filigrane, il faut y voir à la fois une critique de la société de consommation incarnée ici par la malbouffe, oui. Mais surtout, 16 ans avant MeToo, on est quand même en 2002, 16 ans avant MeToo, le réalisateur nous offre une critique magistrale du patriarcat. Cette femme passe à côté du personnage de Sandrine Kim, parce qu'elle préfère croquer dans une fricadelle. La symbolique est très forte. Écoutez, très honnêtement, je n'avais pas vu ça. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je me masturbe intellectuellement. Ah bon? Oui, d'accord. Je n'avais pas vu autant d'érotisme et de sensualité depuis Fils, Scratch, Scroat, une Fixtats. Vic, Strax, quoi, c'était un Fassbinder? Non, c'est un film érotique allemand des années 80 que je me repasse régulièrement tous les soirs dans mon festival du film de cul dans ma cave. Qu'est-ce que vous racontez? Cette scène où l'officier Stasi susurre à l'oreille de la jeune fille Mein Gott, Fils, Scratch, plus une saucisse, plus une scat. Ce qui signifie, mon Dieu, que j'aimerais bien mettre ma saucisse. Oui, non, mais écoutez, mais calmez-vous, enfin, il y a des enfants qui nous regardent, écoutez. Non, c'est pardon, je suis désolé, c'est la magie du 7e art qui me... C'est ça, écoutez, moi, je me suis fait fort ce soir de vous entendre dire du bien d'un film populaire. Mm-hmm. Hein? Donc, moi, j'aimerais bien que vous disiez du bien, par exemple, du Gendarme de Saint-Tropez. Non, Jérôme, cette saga ne fonctionne pas. Mais si. Écoutez, dites du bien de la saga des Gendarmes où je dis à tout le monde que vous avez adoré le dernier Astérix. C'est de la merde, les Gendarmes, Astérix, c'est de la merde. Non, ne dites pas ça. Attendez. Bonsoir, messieurs. Cruchot, regardez. Regardez notre ami ici. Vous reconnaissez Cruchot? C'est qui? Éclairez-moi, votre identité. Mais en fait, Cruchot, ne reconnaissez pas? C'est ce fiefé critique de cinéma, Hugues Daïez, qui déteste les comédies populaires au Cruchot. Quoi? Ah. Alors, regardez-moi, là, dans les yeux. Je vais vous cuisiner. D'une façon... Excuse-moi, c'est une mascara, vous n'allez pas venir, c'est de pitre sur le plateau. Non, mais du respect pour les institutions, monsieur Daillé, hein. Ah! Fantomas! C'est Fantomas! Fantomas! C'est moi! Dis donc, abonnez! Cruchot, mais vous divaguez totalement! Mais Cruchot! Qu'est-ce que vous. Mais il divague! En parole! Qu'est-ce que. Ma biche! Je suis Ludovic! Mais Cruchot! Arrêtez ça! C'est ça! Sandra Kim! J'aime la vie, j'aime la vie. Tous les Belges vous aiment. Cruchot. J'aime la vie. Bravo, tendre. Cruchot, revenez ici. Ah, la vieille.
la vieille. Fini, oui. Cruchot, c'est fini. Pardon, vous revenez madame. Ici. Pardon, je suis. Oui, je vous aime. Oui, je vous aime aussi, mon lady Doss. Oui, oui, vous m'aimez, non, mais franchement. Oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Heureusement que je ne suis pas un timbre. Hein, parce que fort de me lécher le derrière, je collerai à ma chaise. Hein, Cruchot. C'est très drôle, mon lady Doss. Bravo. Ah, mais nous avons des preuves de vos méfaits radiophoniques, monsieur Taillet. Les preuves. Les preuves. Oui, la cassette. La cassette d'enregistrement. Et quelle cassette, mon évident la cassette. Mais les preuves. La conviction. La cassette. Où est ma cassette? Où est la cassette? Où est-elle? En voleur. À l'assassin meurtrier. Je suis perdu. Je suis assassiné. Où est-elle? Où est-elle cachée? N'est-elle point là? N'est-elle point ici? Arrête! Rends-moi ma cassette, coquin! C'est moi! C'est moi, pardon. Fais quelque chose. C'était moi. Mais ça, c'est vraiment bien écrit, ça. L'auteur s'est donné. L'auteur est formidable. Non, mais ça, c'est Molière. C'est une réplique de l'avare que Louis de Funès avait interprété. Molière, le premier auteur comique français à succès. Ah, il a du succès. Alors, je retire tout ce que j'ai dit, c'est complètement nul. Mais ça, je ne peux pas laisser dire, Cruchot. Embarquez-moi ça tout de suite. Ah, vous allez quand même. Sur la barre. Ah, non. Ah, oui, je dois rester riche. Ah, oui.